الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons d'un savant et effectivement, comme le dit le verset coranique, ne craigne Dieu mais d'une crainte révérentielle et révérencieuse que ceux qui ont le savoir. Et pour parler de ce savant, Mohamed Hamidullah, j'ai plaisir de vous présenter nos invités qui en parleront. Sadr Selem, professeur. Sadr Selem, vous êtes historien, chercheur, islamologue, spécialiste de l'islam contemporain, et notamment dans cette région du monde, en Occident et en France tout particulièrement. Merci de nous faire l'amitié de venir. Et à côté de vous, il y a le professeur Tayeb Chouilef. Vous êtes universitaire, vous avez enseigné à l'université Lille 3 et vous enseignez aussi la langue arabe. Et vous êtes conférencier et vous avez consacré toute une œuvre au professeur Mohamed Hamidullah, le savant contemporain. Avant peut-être de poursuivre, je vous convie ainsi que nos chers amis téléspectateurs à suivre ce sujet intitulé « Mohamed Hamidullah, d'abord sa vie » et nous nous retrouvons juste après le sujet. Regardez. Mohamed Hamidullah est un savant musulman né en 1908 à Hyderabad, au sud de l'Inde. Il reçoit une première formation en sciences islamiques traditionnelles avant d'intégrer l'université d'Osmania, d'où il sort diplômé. Puis il part étudier en Allemagne, à Bonn, et décroche un doctorat en islamologie. De là, il entreprend des recherches de manuscrits dans de nombreuses bibliothèques du monde arabe. En 1932, il est à Paris, où il suit au Collège de France les cours de Louis Massignon. Et en 1935, il obtient un doctorat S-lettres à la Sorbonne. Au début des années 50, il enseigne l'histoire de l'islam en Turquie. Et de retour à Paris, il travaille au CNRS en tant qu'attaché de recherche, puis en tant que directeur de recherche. Le professeur Hamidullah vivait dans un modeste logement, dans le même immeuble où vécut avant lui Alphonse de Lamartine. Pendant 30 ans, Mustapha Tougui fut d'abord son élève. Avant de devenir son éditeur et ami, il nous emmène sur le chemin qu'empruntait le professeur pour se rendre à la grande mosquée de Paris pour la prière du vendredi. Et voilà, c'est ici qu'habitait le professeur Hamidullah. Il était ici depuis les années 1935 jusqu'en 1996, au sixième étage. Et c'est d'ici qu'il partait pour accomplir la prière du vendredi, en prenant le chemin que nous allons faire maintenant. Nous partons donc en longeant le jardin de Luxembourg et en récitant le Coran, de mémoire bien sûr, tout en faisant aussi des invocations. Et ainsi jusqu'à ce qu'il arrive à la grande mosquée de Paris. Le professeur Hamidullah faisait selon la sunna de petits pas, car comme a dit le prophète, plus il y a de pas, plus il y a de hasanat, donc de bonnes actions, et plus il y a de péchés qui sont effacés. Le vendredi, le professeur Hamidullah arrivait, se mettait toujours à cet endroit, à cette place précisément, de manière à ce qu'on puisse le reconnaître et le trouver facilement. Car le vendredi, beaucoup de gens venaient le consulter sur les questions religieuses. C'était donc un homme absolument extraordinaire qui a marqué ces lieux et dont nous gardons un souvenir aussi reconnaissant qu'impérieux. Rahman Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde. En 1996, pour des raisons de santé, le professeur Mohamed Hamidullah est allé rejoindre son arrière-petite-nièce aux États-Unis. Il est décédé
le 17 décembre 2002 à Jacksonville en Floride, où il est enterré. Voilà, c'était là un sujet signé Mélie Boulouise. Sadr Selam, vous retrouvez-vous dans ce sujet? Quelle est votre réaction? Il est né à Hyderabad, le professeur Hamidullah, en quelle année? En 1908, en février. Mort le 17 décembre 2002, donc on a une trajectoire de vie qui se confond quasiment avec le XXe siècle. Sa vie et son étude peut être le prétexte pour étudier toute l'histoire de l'islam au XXe siècle, et notamment de l'islam transplanté, qui déjà, du temps de son premier séjour à Paris, commençait à prendre racine en Europe. Et donc c'est un raccourci d'une courbe de vie très bien remplie. C'est Louis Massignon qui avait cette formule, une courbe de vie. Or, cette courbe a eu des ruptures, et la rupture la plus douloureuse, voire traumatisante, c'était celle de 1948, la partition de l'Inde, qui a convaincu Hamidullah à retourner définitivement à Paris. Et il a préféré cela au départ au Pakistan. Alors peut-être avant d'arriver justement à cette rupture, commençons par son milieu familial à Hyderabad, avec vous peut-être Tayeb Suyref. Quelle est sa famille, sa fratrie, ses parents? Alors, Mohamed Hamidullah naît dans une famille où la science est très importante, le savoir est très important. Et il est le cadet d'une fratrie de 8 enfants, 3 garçons, 5 filles. Et il baigne donc très rapidement dans cette ambiance de connaissances, et d'abord constituée par les sciences traditionnelles, l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage du Coran, la mémorisation même du Coran. Et puis il rejoint le Dar al-Uloum, c'est-à-dire l'Institut des sciences religieuses de Hyderabad, hein, cette petite principauté qui s'est constituée en 1724 et qui était un îlot de connaissances et de diffusion du savoir. Il faut ne pas oublier que les premières imprimeries de textes arabes ont été à Hyderabad et au Caire. Donc c'était deux pôles de connaissances. Hamidullah a eu la chance de naître là-bas. Bien. Sadr Selam, si on poursuit un peu, donc ses études secondaires et supérieures, d'abord en Inde et par la suite à l'étranger, enfin à l'extérieur du territoire indien. Alors, ses études, il les a faites très tôt, il a été très précoce, et il les a faites, ses études supérieures, à l'université l'Othmaniya, fondée en 1909, donc un an après sa naissance. Et l'intitulé Othmaniya n'était pas tout à fait innocent. C'est le symbole de l'attachement au Al-Othman, c'est-à-dire à l'Empire ottoman et au sunnisme. Et c'est une université qui voulait être une synthèse entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement moderne tel qu'il avait été recommandé par Ahmed Khan, le créateur du collège anglo-musulman d'Aligarh, qui est devenu l'université d'Aligarh. Et les milieux traditionnalistes avaient mal réagi à la création de ce collège, mais l'Othmaniya a été vraiment une synthèse entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement moderne, des langues notamment, de l'anglais, de la littérature, du droit. Et Hamidullah, à l'âge de 21 ans, avait déjà enseigné comme assistant à la Othmaniya, avant de partir en Allemagne, à Bonn, où il a soutenu en un temps record une thèse sur le principe de neutralité dans le droit international musulman. Et suite à cette thèse qu'il a soutenue en droit international, on pourrait dire, de la neutralité, l'intitulé exact, qu'a-t-il fait par la suite? Il a enseigné à Bonn ou il est parti en... Alors il a effectivement enseigné à Bonn même, à l'université
donc Rénan de Bonn, et ses capacités, sa haute maîtrise de l'arabe et de la langue ourdou lui ont valu de donner déjà des cours là-bas, dans cette université. Et puis, très rapidement, on le retrouve à Paris, hein, comme on a bien vu dans le sujet que vous avez montré. Dès 1932. Dès 1932, donc juste après avoir terminé cette première thèse, il est dans une seconde thèse à Paris, à la Sorbonne, où il travaille sur la diplomatie au temps du prophète et des califes orthodoxes. Ce sera le titre de sa thèse. Et un travail tout à fait colossal qui l'a amené à voyager au Caire, au Yémen, à Istanbul, pour collecter des manuscrits qui avaient été très peu remarqués et très peu étudiés, et dans lesquels il va mettre en évidence l'intense activité diplomatique du vivant même du prophète. Et c'est un travail colossal, et Louis Massignon disait, mais avoir réussi ce travail colossal à partir des sources originales, à partir des textes les plus anciens, sans avoir recours aux travaux orientalistes, c'est un tour de force admirable. Oui, et Sadr Selam, vous l'avez connu vous-même et vous l'avez pratiqué, si je puis dire, et fréquenté. J'ai eu la chance d'avoir des séances de 5 heures d'affilée sur tel ou tel point. Il était d'une disponibilité, et il ne se contentait pas d'une séance de 5 heures. Sur le lendemain, on recevait une lettre qui complétait les informations. Bon. Alors quels ont été ses maîtres Alors ses maîtres, pour lesquels il avait une grande révérence, dans l'ordre, c'était Maurice Godefroy de Montbine, William Marsay et Louis Massignon. Bien, donc il est à la Sorbonne, il va au Collège de France, il est dans cette mouvance de l'orientalisme, et lui-même il y contribue, mais par une œuvre proprement musulmane. Qui connaît-il aussi? Alors il a en fait une double culture, intellectuellement parlant. Il a effectivement les maîtres à penser que Sadr Selam vient de rappeler, Massignon en particulier, mais il a aussi un héritage traditionnel extrêmement fort, et il se reconnaît volontiers chez des penseurs de l'âge classique qui ont fait une œuvre novatrice à leur époque et qui ont permis de d'élucider un très grand nombre de questions. À ce stade, nous arrivons au second sujet qui lui est consacré. Cette fois-ci, nous parlerons de son œuvre. C'est un sujet toujours signé Mélie Boulouise. Regardez. Le professeur Mohamed Hamidoullah consacra près de 70 ans de sa vie à l'écriture. Il a recherché, mis en lumière et traduit les trésors intellectuels de l'islam, restés enfouis dans les bibliothèques à travers le monde pendant de longs siècles. Il maîtrisait parfaitement plusieurs langues, dont sa langue maternelle, l'ourdou. Artisan convaincu du dialogue et du rayonnement culturel de l'islam, il fonda de nombreuses associations musulmanes, telle que l'Association des étudiants islamiques de France en 1962. Travailleur infatigable, il contribua à enrichir la littérature musulmane par de nombreux ouvrages. Sa traduction française du Coran, intitulée « Le Saint-Coran », est à ce jour la traduction la plus répandue, et elle est la première réalisée par un musulman. Elle a été rééditée 12 fois entre 1959 et 1986. Il donna des conférences dans de nombreuses écoles, universités et cercles culturels, approfondissant la connaissance de l'islam dans une démarche accessible à un public occidental. Il fut l'interlocuteur des grands orientalistes et un pionnier du dialogue interreligieux en France. Le professeur Mohamed Hamidoullah fait partie de ces savants musulmans qui ont vécu en Europe. Tout au long de sa vie, il travailla à améliorer la connaissance de l'islam et à faciliter la vie et la pratique religieuse des musulmans en posant les jalons d'un islam européen.